André et Olivia, vous avez un petit cadeau pour nous, la javanaise de Juliette Gréco. Deux bonnes raisons de l'interpréter ce soir. Cette femme formidable fête ses 90 ans aujourd'hui. On l'embrasse avec des applaudissements. Et Olivia, vous l'adorez autant que nous, on vous écoute. Alors, si je me permets, docteur, c'est l'anniversaire aujourd'hui de deux femmes extraordinaires. Juliette Gréco, mais aussi quelqu'un que j'aime très fort et qui est ma petite maman. Oh. Alors, j'en profite. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Bon anniversaire à Juliette Gréco, bon anniversaire à votre mère. Et comme toutes les chansons, puisqu'on parlait d'histoire, cette chanson a une histoire, hein, André. Oui, alors, Juliette Gréco, au temps où cette chanson a été faite, Gainsbourg galérait. Elle me l'a raconté, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis elle dit, tu devrais l'essayer, elle cherchait toujours des compositeurs. Alors tiens, je vais l'appeler. Donc le gars, c'est un super loser, elle l'appelle. Et lui se dit, la plus belle femme du monde m'appelle, mais elle ne l'appelle pas juste pour travailler. Elle lui dit, venez à un dîner chez moi. Donc il déboule à un dîner chez elle. Je lui dis, et alors? Elle me dit, alors il y avait du champagne, et alors c'était le printemps, alors j'ai ouvert les fenêtres, et alors, et ben les bulles, tout d'un coup, je me suis mise à danser devant lui, et alors, il est rentré chez lui. Ah! Et je dis, mais, ah non, rien du tout. Mais, et alors, bah, le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai une chanson pour vous. Il est arrivé avec cette chanson, parce que lui, toute la nuit, en fait, voilà, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ouais, c'était peut-être un petit peu le message. Comme quoi, des fois, c'est bien de ne pas coucher non plus, parce que mais ça oui, fait monter coucher sur le papier. Ça. Il raconte bien les histoires aussi. Oui, il pourrait prendre la place. Tu pourrais faire la première partie de Franck Ferrand. Avec plaisir. Les origines des chansons, tout ça, c'est un super spectacle. Un peu long, oui, c'est ça, j'ai du mal. On va préparer ça.